maladie qui est sortie dans le monde et qui est en train de faire des ravages. Donc, on nous a dit de prendre des dispositions. Ça fait partie des dispositions, se laver les mains, se protéger, la bouche et le nez, ainsi de suite. Donc, moi, je suis venu pour demander les prix d'un article. Donc, il y a le dispositif là. Je fais comme tout le monde, je me lave les mains avant de rentrer. Respecter les règles d'hygiène, ce que le gouvernement a prévu, et entre nous-mêmes, de nous respecter et d'éviter les contacts trop proches, ainsi de suite, etc. Alors, il faut le coronavirus. Coronavirus, Là, je vais attirer l'attention à toute la population béninoise de suivre des mesures prescrites par le gouvernement et de vraiment l'appliquer d'une manière rigoureuse, parce que c'est avec ça qu'on peut vraiment lutter contre ce Covid-19. Un appel à l'endroit de la population de suivre rigoureusement ce que l'État a donné comme consigne, de garder les 1 mètre de sécurité, de laver les mains, de ne plus se saluer avec la main et de dormir correctement, de manger sain, de manger moins sucré aussi pour renforcer le système immunitaire. Et cela va renforcer notre système immunitaire, surtout en faisant, en ne pas oublier également, de faire 30 minutes de sport au moins 2 fois par semaine. Nous sommes tous conscients de la situation actuelle dans le monde entier par rapport à la maladie. Et comme le gouvernement l'a eu à le dire, il faut que nous observons, nous l'accompagnons dans le respect du minimum strict. C'est-à-dire quoi ? Se protéger, respecter les minimum 1 mètre, ou soit 1 mètre et demi, 1,5 mètre d'écart pour ne pas se contaminer. Donc avant de sortir de chez moi, de la maison ou bien de mon bureau, il faut que je me protège. Raison pour laquelle j'ai mis des gants. Et avant de rentrer, mais même avant de rentrer dans mon bureau, ou bien dans le ministère, ou dans ma maison, je les enlève au portail, je me lave les mains et je rentre. Ça, c'est le minimum. Et je pense que quand nous allons essayer de respecter ce minimum-là, nous allons éloigner de nous ce mal. Nous, on ne laisse personne, que ce soit chinois, n'importe quel blanc, n'importe qui, avant de rentrer dans notre marché, moi, j'exige que tu dois laver la main, ta main forcée. Donc, tout le monde sait maintenant. Si c'est que toi tu vas venir aussi au marché là, voilà, vraiment toi tu vas laver les mains. Parce qu'il faut qu'on évite la maladie. Parce que même si on dit que ce n'est pas venu dans notre pays, au moins, on regarde la télé, on voit les séries, ce qui se passe. Et on regarde encore à l'alentour de notre pays. Donc il faut qu'on évite. On voit les gens, ils sont venus. Faites comme moi, portez vos masques, portez vos gants et barrons la route au Covid-19. Merci.